bonjour à tous les amis, c'est KoolTNT et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Survival Stone saison 3. Donc cette fois on est dans la base, donc j'ai un peu avancé là-bas, j'ai rajouté pastèques et des citrouilles. Ici ça a bien poussé, hein, faut dire ce qu'il y a. Là-dedans j'ai continué d'explorer un peu la grotte en bas, mais c'était un peu nul. Enfin il y avait Minecraft quoi, mais ça vous l'avez vu. Et donc il y a les bambous encore. J'ai visité cette grotte là. Et ouais. Du coup là l'objectif ce serait de trouver du diamant du coup. J'ai deux pioches en fer. Et du coup pour trouver du diamant on va faire la technique des gros fous. C'est-à-dire creuser sous ses pieds jusqu'à je crois que c'est la couche 12. Et comme ça on va pouvoir trouver du diamant facilement. Donc c'est là que les bambous rentrent en jeu, parce que en cassant des bambous, on obtient des bambous. Ouais, logique. Mais avec ces bambous, on peut faire, on peut faire des bâtons. Et les bâtons, du coup, ça nous permettra de faire des échelles très très rapidement. Parce que les bambous, ça donne masse bâton, quoi. Surtout qu'on a masse bambou, donc c'est cool. Et voilà. Donc 64 et 35, ça suffit, ça nous fait un total de 88, tout simplement, 88 échelles, et on est à 78 de hauteur, donc c'est suffisant. Donc on va creuser, hein. Comme ça on va faire la technique des fous. Ok, cette technique en vrai elle est vachement bien. Oh excellent, ma première redstone. Je suis heureux. C'est trop bien, en vrai. La redstone, on va pouvoir faire des trucs vachement cool avec ça. Ok, donc on est couche 12, donc en principe on a du diamant. Par contre, c'est un peu bugué là, on est d'accord. C'est bon. Ok, bon, c'est chelou, c'était bugué. Alors, si on a de la chance, on a du diamant. Si on n'a pas de chance, on n'a pas de diamant. C'est aussi simple que ça. Je n'y vois rien ici. Je le voyais pas, hein. Oh, je suis heureux. Ok, oui, je suis heureux. On a combien? 1, 2, 3, 4. Putain! 6, 7, 8! Waouh! 8 diamants! Alors, si je les perds, par contre, je me suicide. Ah. Faut boucher ça. Ça cause des lags. Excellent, je suis trop content. Ok, donc, j'ai remonté les diamants à la surface. Je les ai rangés là, ouais. Donc, avec les diamants, déjà, le premier truc qu'on va faire, c'est la pioche. Comme ça, on aura de l'obsidienne tout simplement. L'obsidienne qui va nous permettre de faire des trucs cool comme aller dans le nether ou une table d'enchantement. On va en garder deux pour la table d'enchantement aussi. La table d'enchantement c'est bien deux, on est d'accord. Je suis peut-être le seul à utiliser ce petit volet là de craft qui n'est pas très bien pensé. D'accord, non, ils l'ont pas. Donc, ensuite, avec ça, les deux diamants qui restent, je sais pas ce qu'on va faire. Bah, déjà, il nous reste trois autres diamants. On va les garder, hein, on va les mettre de côté. Après, l'autre diamant, ce sera la monnaie d'échange, hein, de tout. Donc, ce sera plutôt sympa. Le soleil. On va dormir. Et ensuite, on va essayer de se faire un portail du Nether. Et ça pourrait être vachement cool. Donc voilà, c'est bon, j'ai 14 d'obsidienne. Donc 14 d'obsidienne pour faire tout simplement un portail du Nether et une table d'enchantement. Ça c'est plutôt cool, donc il y a 14 d'obsidienne. Je sais pas trop encore où est-ce que je vais faire mon portail. Mais on va trouver un endroit, on va trouver un endroit. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Et faut juste pas que je les pose à côté, sinon ça risque d'être... Et je pense que je vais faire un truc genre le Nether qui vient corrompre le monde réel. Voilà.
Ça pourrait être sympathique. Alors, je n'ai pas de flint. Il me faut un flint. Two seconds later. Voilà, je pense que ça va faire l'affaire. On va trouver un flint là-dedans. Voilà, c'est bon, un flint. C'est tout ce que je voulais. C'était juste à côté. En plus, ça, c'est la grotte que dans laquelle j'ai miné en principe. Pouf. Donc, on va aller dans le Nether. Par contre, on avait juste un petit problème pour linker les portails, donc j'espère que ça va être réglé ça maintenant. On va bien voir. Tac, tac, flint. Je sais pas ce que ça va donner. Oh, on n'aura pas besoin de cette pelle. Ah quoi, non, le sable des âmes, on n'aura pas besoin tout de suite. Pioche en fer, yep. Je pense qu'on est prêt. Le seau, ça sert à rien. Ça sert à rien. J'ai pas de bouffe, j'ai juste ça. Ça va très clairement pas suffire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste pour jeter un coup d'œil. Suis prêt. Wow. Alors, on est dans un truc de basalte. Basalte, c'est sympatoche. Moi, j'aime bien le basalte, surtout le bruit qu'il fait quand il casse. Alors voilà, on aura besoin de ça pour faire le petit dégradé corruption là. Et je vais juste prendre les coordonnées. On est en moins 101, moins 50. Bon, je vais pas trop descendre hein, parce que mon objectif là c'est pas trop de mourir, c'est plus de vivre en fait hein, tout simplement. Alors on va voir si les portails sont buggés. Attention, roche noire. Si je l'ai dans les mains, la légende dit que ça va me fonctionner. Yes, c'est pas buggé, je suis heureux. Bon, je sais si 29 de désoreille, je pense que ça va suffire pour faire le dégradé, donc je vais le faire et on se retrouve après. Donc la base elle est là-bas hein. On va chercher un village parce que ouais il faut des villageois tout simplement. Un saumon meurt, merci. Alors par là peut-être, là on s'enfonce encore plus loin du spawn. Alors c'est pas la galère de monter. Il faut pas de village. Bédidon. Bonjour. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Excellent. Ouais. Bah, t'as trouvé ma base. Ouais. Je cherchais un village en fait. Et bah, j'ai trouvé une maison. Voilà, c'est la tienne. Excellent. Ouais, non, mais tu sais ou pas où est-ce qu'il y a un village? Non, j'ai regardé un peu, je Ah. crois qu'il n'y a rien. C'est con. Ouais. Vas-y, c'est ta base ça du coup? La porte là, ouais, y a ma maison. Excellent. Vole rien. T'inquiète. Mais en vrai, moi, ma base, c'est un trou dans une falaise et puis c'est tout. Wesh! Wow. C'est violent ton truc. Ouais. Oh, mais attends! Merde, je viens juste de remarquer. Genre là, comment ça s'appelle déjà ça? C'est. Merde. Ça, c'est diorite. Andésite, granit, j'imagine du coup. Attends, je regarde Ouais. juste. Granit, oui. Excellent, j'avais même pas vu. Ah.
Oula. Voilà, ok. Wow. Du coup là c'est ta mine. Les quartiers, c'est quoi les quartiers? Bah du coup c'est là où il y a Ah ouais. mon lit et tout. Excellent. Ouh, du fer. Non, je rigole. Ah mais touche pas Il y a un chaudron. Excellent. Je vais un peu te Mais toi toucher. ta masse. Oh ouais, je veux bien. Oh, j'en ai Eh déjà 27. Comment ça se fait? Attends, j'en ai jamais eu. T'aurais quoi? ou pas une graine de pastèque? Bah détruit la pastèque. Ah oui, j'avoue, je suis con. Décrafte-la. J'avais oublié qu'on pouvait faire ça. Vas-y, j'en prends qu'une seule. Excellent. Et ouais. Mais en plus, t'es juste à côté, hein, parce que j'ai fait à peine 3 minutes de marche. Ah ouais? Ouais, c'est abusé. Attends. Non, t'es là. Ouais, du coup, là, il y a ta ferme et tout. Excellent. Ouais. On pourrait T'as presque. vu l'endroit où je me suis installé, c'est beau, hein, il y a plein de fleurs et tout. Ouais, eh ouais, j'avoue. J'ai même vu, il y a des abeilles un peu pas loin. Excellent, tu vas faire du miel. Ouais. Il y a des poulets là-bas aussi. Ouais. Ouais. Mais Bon, après, il n'y a pas c'est trop de sympa ici. bimbo. Surtout avec les Ouais. shaders. Ouais. Bah vas-y, je vais rechercher un village. Mais en vrai, on pourrait relier nos bases, hein, on est juste à côté, donc. Un Ouais, petit bon, en truc plus, j'avais sauté. pour projet de faire des rails et tout. Donc, Bah tu vois, on tiens, pourrait bah relier nos excellent. bases par des rails. Oh, ce trou dans le mur par contre. Excellent. Bon, vas-y, bah, je vais rentrer chez moi, moi, parce qu'il commence à faire nuit. Au revoir, Mallow Kinder. Ouais, je te laisse, salut, salut. Ok, donc maintenant, ce qu'on va se faire, c'est que pour remplacer le charbon qu'on utilise habituellement dans le four, on va se faire des blocs de kelp, donc qui sont aussi puissants que des blocs de charbon, tout simplement. Pour faire des blocs de kelp, il faut kelp, donc algues. Kelp, c'est algues. Ouais, je peux préciser. Tu vois peut-être dû. J'ai un seau d'eau qui ne sert à rien. Mais si ça va servir. Bonjour poulet. Ouais, mes poulets ils se sont enfuis, du coup bah, j'ai dû tout refaire. Donc on va mettre les kelps en bas là. Hop. Donc en gros ça va pouvoir pousser. On va faire un système automatique, hein, vous inquiétez pas pour ça. Il faut plus d'eau. Voilà, donc ça c'est rempli. Maintenant, en gros, c'est censé pousser, hein, au bout d'un moment ça va pousser. Donc on va essayer de détecter quand est-ce que ça arrive bah, à maturité, hein, tout simplement. Voilà, donc là il observe et dès que... est-ce que ça a commencé à pousser ici? Oui, ça commence à pousser, ça commence à pousser. C'est cool. Oh, surtout lui là. Lui il a bien poussé. Bon, donc en gros, une fois que ça aura poussé, il verra qu'il y a quelque chose qui a changé devant. Il va envoyer un petit courant de redstone à des pistons qu'on va mettre au deuxième bloc. Hop. Voilà. Donc on a tout ça. On n'a pas assez de redstone, hein, très clairement. Hop, 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 hop. On va mettre des répéteurs là-dedans, comme ça. Ça sera pratique. Et on se pose ça, comme ça. Et hop, on a ce qu'il nous faut. En principe, c'est censé fonctionner. Donc, en guise de test, on va se faire ça. Et on a du kelp qui monte. Pour qu'ensuite il descende par là, il faut faire ça. Logiquement. Il nous faut juste refermer ici. Et c'est bon. Donc, on a le kelp qui va venir ici. Et on aura juste à mettre des entonnoirs ici. Et on aura des coffres remplis de kelp. Donc maintenant ce qu'on va se faire, parce que oui c'est pas fini, on va se faire une table de craft. Parce que j'ai tout crafté déjà. Déjà on a ça. 1, 2,
J'ai crafté le livre aussi, oui. D'ailleurs, j'ai récupéré une membrane de fantôme, je suis content. Et donc, il nous faut aussi l'obsidienne. Et ça suffit. Alors, je vais pas utiliser le truc, je crois que ça se fait comme ça là, et voilà, table d'enchantement. Dans la table d'enchantement, on va se trouver un petit endroit sympa. Bon, sachant que ça va pas être notre base définitive, hein, très clairement. J'ai des plans déjà pour la base définitive. Je vais vous en parler dans le prochain épisode. Bon, bah du coup, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus grand pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Et bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut les amis!